décoré. J'ai décoré la partie. En fait, ce qui me prenait du temps, c'était j'hésitais entre plusieurs papiers pour la décoration. Et donc, je suis restée sur celui-ci. Ça va me faire servir pour mater et voir en fait ce qui me va. Là, c'est pas ça. Donc là, je vais couper ici. Et là, là. Je pense que c'est ce qui est mieux, là à là. Je vais couper au fur et à mesure pour que ce soit en fait idem. Ça me paraît bizarre là. On va bien vérifier ce qui ne va pas. Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Alors, ce qui me dérange, je vais le reculer comme ceci pour que je puisse voir. Alors, ah, j'y ai pas pensé. Tiens, je vais prendre celui-ci pour m'aider à faire ben. Vous faites à peu près, hein. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais enlever ici, non, ici, jusqu'à, ouais. Ici, je pense que ça me paraît bien. Ça me paraît plutôt bien. Je suis désolée, j'étais pas dans le champ de vision. Voilà. Je gomme, j'enlève toutes les traces. Voilà, parce que sinon, à chaque fois, je vais peut-être vous avoir hors du champ de vision, c'est pas cool. Et voilà, donc je trouve ça super génial. Donc je vais en faire un autre avant de le coller. Je vais vous montrer en fait. Je vais prendre celui-ci comme gabarit. Je vais me ramasser sur ma chaise, mais ça va. Et de l'autre côté. Ok, bon, il y a sa partie là. Voilà. Je vais coller que la partie là, là et là. Je ne colle pas cette partie.
Mince, avant de coller, il faut que je mette l'acétate. Je vais faire rapidement. Je vais coller puis je reviens. Je fais un petit cadre. Je vais coller, je fais un petit cadre et je reviens. Ok, donc je suis de nouveau avec vous. Avec ceci, j'ai collé l'acétate. J'ai fait le petit cadre pour que ce soit agréable. Et ben, je colle. Comme je vous ai dit, on colle que ces parties-là. Ces parties-là que nous collons. J'ai intérêt à réussir du premier coup. J'allais dire rater. Non, non, non. Réussir du premier coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider de mon plioir. Voilà. Je vais m'aider de mon plioir pour pouvoir voilà. Pour que ce soit à peu près correct, quoi. Voilà, ça je dois le laisser fermer. J'ai besoin que ça reste fermé. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Je n'ai pas fait de bêtise. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, qu'est-ce qui... voilà, non, c'est bon. Je vais faire de l'autre côté de même. Je ne sais pas en fait où est l'autre côté. Ah, il est là. Je vais faire de même de l'autre côté, puis je reviens pour coller avec vous. Ok, on va coller. C'est juste pour vous montrer où on met de la colle. Allez, je vais par contre essayer pour pas que ça aille sur le sur cette partie, pour pas qu'il y ait de colle, puis je vais le mettre. Voilà. Voilà. Franchement, je sais pas si j'ai bien mis. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça a l'air de correspondre de l'autre côté, mais je sais pas. Le cœur y est. Le cœur y est. Donc là, je vais juste enlever ça. Voilà. Pour bien coller l'intérieur, pardon. En fait, je suis en train d'appuyer. Hein. Juste appuyer à l'intérieur sur la partie basse, la partie latérale, pour être sûr que voilà, tout colle bien. Comme cette colle elle prend plutôt vite, ça va, c'est l'avantage. Et après, j'ai juste qu'à
Voilà, pour la refermer. Donc voici la première partie. Je vais vous mettre en hauteur. Voilà, la première partie. Ça, on le garde, hein, cette flapette-là. Elle va nous permettre de décorer. Ce qui me dérange, moi, c'est cette partie-là. Le problème, c'est que celle-ci, comme elle ne s'enfonce pas très bien, là, oui, mais ouais, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ouais. Je vais pas couper. Je vais laisser tel quel. Pour le visuel, je vais laisser tel quel. Et puis, on va passer à la partie du dessus que je vous ai montré tout à l'heure et qui sera plus rapide, je pense. Je le ferai à la fin, mais normalement, on devait le faire avant. J'ai oublié de coller le papier ici. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Je vais le faire tout de suite avec vous. Comme ceci. Non, il est trop épais celui-ci. Non. Est-ce que ça... Ça m'a l'air bien, ça. Ça m'a l'air bien. On va utiliser cette chute, là. J'en ai une autre. Je vais prendre celle-ci plutôt. Ouais, je vais prendre celle-ci. Ok. Ok. J'aurais dû couper déjà. Je me facilite pas la tâche, on va dire. Je n'y ai pas pensé. Donc c'est pas grave, on colle simplement. On colle. C'est pas grave, vous voyez s'il y a une espèce d'épaisseur là à cause des aimants. C'est pas grave du tout. On va juste découper. Là. J'essaie de voir comment je peux. Voilà. Voilà. Et là, je vais couper. Et ici également, je vais couper. Et après, je rappuie. Je rappuie bien. Ben, tout compte fait, ça s'aplatit plutôt bien. Donc, c'est cool. Donc, voilà. On a mis. Et je peux maintenant refermer la partie. Voilà, je peux refermer cette partie. Donc c'est bon, cette partie elle est finie définitivement. On va prendre un autre papier. Alors blanc. 12 cm de largeur, pareil. Donc voilà, coucou, on passe à la partie B, la partie haute, donc c'est qui fait 12 cm de largeur sur une page 30-30. Ensuite, comme la première partie, on fait un trait de pliage à 2. Je vérifiais juste que j'étais bien sur le côté qui n'est pas texturé, le moins texturé, et à 10. Ok. Je ne sais même pas comment celle-ci, je n'ai pas testé du tout, donc je ne sais pas. J'ai fait un prototype à peu près viable. Ah, j'en ai besoin encore. Et donc, ensuite, je vais faire un trait à 2. Un trait de pliage à 2 cm. Celui-là, il est plus petit. Un trait à 8. À 10, pardon, 2, 10, 10 plus 11,5, 21,5, 10, oui, 10, c'est ça, 21,5, voilà, 21,5, et on va mettre un 2 cm, parce que là, ça ne va pas faire, donc 21,5, ça fait 22,5, 23,5, on va s'arrêter à 23,5,
Donc ici, je vais couper. Ça ferait 12 par 23,5. 12 par 23,5, je reviens. Donc 12 par 23,5. On a un trait de pliage à 2 cm, un trait de pliage à 10 cm. On tourne, on fait un trait de pliage à 2 cm, un à 10 cm, un à 21,5 et on coupe à 23,5. Enfin, à 23,5, ça sera déjà coupé. Donc voilà. Ensuite, on va faire la deuxième partie tout de suite. Donc pareil, il me faut une feuille qui fait 12, vous prenez la 30-30 et vous coupez à 12 cm et je reviens. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, donc voilà, je préfère refaire toutes les étapes avec vous pour, voilà, pour que je sois au clair au maximum, que vous puissiez louper le moins possible. Parce que moi-même en suivant des tutos, j'arrive à faire n'importe quoi. Donc, un trait de pliage à 2 cm et un trait de pliage à 10 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, là je vais l'ouvrir. J'ai une partie. Alors on va faire un trait de pliage à 8 cm directement. Donc 8. 8 plus 11, 19. Donc un trait de pliage à 19 cm. Et après 19 21, on va couper. Je vais faire ça, mais on va couper à 21. Donc ça ferait 12 par 21 celui-ci. 12 par 21. Voilà. Je vous le mets. Ok. 12 par 21 cm. Voilà. Ok. Bon. Je vous explique maintenant. La déco, vous savez comment on l'a fait. Je vais vous recouper quand même avec vous. Donc ça, c'est la partie. Non. C'est la partie celle-ci. Donc, c'est la première partie qu'on a refaite. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Si ici ça bloque pour fermer, vous avez du mal à bloquer pour fermer, vous pouvez encore un peu plus biseauter si vous le souhaitez. Si vous avez du mal. Là, je vais laisser comme ça moi. Donc on continue, on continue. Donc j'ai pris le 21 par 23,5. On a coupé là et je vous montre pareil. Je vous l'ai déjà montré, mais bon, c'est gratuit. Voilà. Prenez votre temps quand vous coupez, afin de ne pas couper trop, puisqu'il ne le faut. Et là, oui. Comme c'est si vous savez pas faire, vous faites d'un coup, vous faites en deux fois. N'hésitez pas à faire en deux fois, c'est mieux pour éviter de faire des bêtises, enfin de se tromper quoi. Hein. Parce que moi, je me trompe souvent. Faut pas croire, je me trompe souvent quand je scrape et donc je fais souvent des plis, des plans B, C, D, E, Z. Enfin, quand vous scrapez, vous verrez, vous avez plein de plans. Celui-ci, je m'en rappelle plus. Ok, c'est bon. Là, ça c'est celui qui fait 21 par j'ai pas assez coupé. Voilà, par 12 par 21. Voilà. Et là, bon, je vais faire d'un coup. Comme vous dites, pas certain. En deux fois. Voilà. Ensuite, on va coller cette partie ici. Je vais faire celle-ci.
pas intérêt à me louper quand je colle. Bon, j'ai un petit décalage, mais ça va. C'est pas non plus. Ça va. Une fois que c'est fait, vous râpez, vous décorez. Donc je vais décorer, puis on se retrouve après. Alors on se retrouve, je ne vous montre pas autour de moi, c'est le boxon plus. Donc j'ai fait la décoration, j'ai collé, donc c'est bon. Je vais maintenant accentuer les pliages. Je vais accentuer les pliages. Qui est ici, qui on ne sait pas si elle va rester comme d'habitude. Donc on est sur un de l'extérieur, hein. C'est-à-dire que moi je mets comme ça à l'extérieur quand je plie. C'est ce que j'ai fait aussi pour en bas. Si vous êtes fait, vous avez fait à l'extérieur ou à l'intérieur, je sais plus. Normalement ça devrait pas trop gêner, normalement. Hein. Alors je ne sais pas. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est légèrement en biais. C'est normal. C'est normal que ce soit légèrement en biais. Pour le devant. Donc là je vais poser mes aimants. Donc il faut que je les colle de l'autre côté. C'est pour ça qu'il est en opposition. Et là, c'est bon. Vous voyez qu'il s'oppose, vous tournez juste de l'autre côté, quoi. Et ça se règle. Hein. Alors là, ça me risque de me dépasser sur les bords. Et ça va pas être sympa. Ok. Je vais mettre à l'extérieur quand même. À l'intérieur, pardon. Ça, c'est toujours à l'intérieur, la partie haute. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Toujours à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et je vais appuyer ici. J'appuie juste en dessous. Je vous montre. J'appuie juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, là, je ne peux pas, mais voilà. J'appuie juste sur la languette. Et normalement, si je tire... Il n'y en a qu'un seul qui s'est fixé. Il faut que je refasse. Ok, là ça devrait faire. Et là c'est l'autre qui part. Bon, non. Voilà. Oh là là, c'était périlleux, dis donc. Hein. Je vais bien le fixer. Voilà. Vous voyez, et là. Et normalement, ça se ferme correctement. Alors oui, ici, je vais devoir le couper en biseau parce que ça gêne. C'est ce que je vous disais. Donc cette partie-là, on a, vous savez, collé là. On a rassemblé. C'est juste couper un tout petit peu. Voilà. Et vous faites pareil de même ici. Je crois que je l'avais fait pour l'autre côté ou pas. Je crois pas que je l'avais fait pour l'autre côté, mais pour celui-ci, c'est nécessaire de le faire. Voilà. Et donc, je peux coller mes papiers. C'est bon, là je vais pouvoir coller.
Je veux que ça reste droit de ce côté. Ok, c'est légèrement biseau devant. Donc là. Ouais. Je vais juste tenir là pour aider. Je sais plus comment j'ai fait la première fois, mais je pense que ça doit être pareil. Et voilà. Ok. Maintenant, là, je peux fixer, je pense. Fixer. Je vais fixer comme ça. Je vais appuyer fort et je vais mettre ici pour que ça reste en place. Voilà. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, j'appuie fort. Bon, c'est pas grave, il y a un petit crayon qui me dérange, mais bon. Donc voilà, c'est légèrement biais. Ici devant. Ah mais voilà, je vais tirer. C'est mieux. Là, c'est légèrement biais. Parce que là, tout à l'heure, je trouvais pas que c'était légèrement biais. Ok, là, c'est mieux. Ça passe. Cool. Cool. Bien. Voilà, de toute façon, celui-là, il n'est pas fait pour descendre tout en bas. Moi, je le fais n'importe quoi. Bon. Et maintenant, c'est l'heure de vérifier si tout va bien. Et tout va bien, ouais. On va finir, ouais, parce que je fatigue. En fait, je serai moins fatiguée, je pense, quand je vais faire la partie déco, je vais retrouver toute mon énergie, toute ma force. Alors, comme d'hab, je prends ma règle. Je range mes aimants, parce que sinon ça va être pareil. Je prends ma règle. Alors, je dois prendre le plus grand. Donc, je vais faire 11,5 par 8, peut-être 8, quoi. Par quoi? Par 8,1. 11,5 par 8,1. Je reviens. Ok, on a pris 11,5 par 8,1. Je trouve ça cool.
Ok, on poursuit. On poursuit. Alors, ok, c'est ça. Ok, il est où le crayon papier? Ici. Donc, bon, on va dire que je pars, j'enlève ça. Ouais, j'enlève ça. Et puis, j'enlève ça, allez. J'ai coupé la même forme, en fait. Et là, je vais juste le couper. Je regarde ce que je veux. Oh mince. Je vais le faire à l'œil. Ça. Voilà. Et bah oui, ça me va un peu plus quand même. Je voudrais enlever un petit peu plus. Je vais peut-être enlever en haut alors à ce moment-là. Un petit peu plus en haut. Voilà. Voilà. Ok, on se retrouve pour finir le haut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, c'est top, top, top. J'aime beaucoup cette colle Hard Glitter Dry Clear. J'ai testé, puis j'ai collé avec mon acétate. Donc, c'est acétate fin, un acétate qui résiste à la chaleur. Vous pouvez l'utiliser pour les shakers également. Il est moins épais que les acétates classiques, ce qui fait que même pour les découpes, ça découpe plus facilement également. Donc là, j'ai fini. J'ai un peu de colle, mais ça s'enlève facilement. Je vais l'enlever tout de suite. En fait, j'ai oublié de faire une plus petite fenêtre. J'ai fait la même taille que celle d'en bas. Et en fait, il me fallait une plus petite fenêtre. Donc ce n'est pas grave. Ça dépasse, mais voilà. Ça va. Alors, comme je vous ai dit, on met que sur le côté, donc les côtés latéraux. Le bas et le devant, le côté du devant. Voilà. Et puis, on y va. Ah mince, 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 j'ai oublié. J'ai oublié. Effectivement, je vais enlever un peu de colle de ce côté. En bas, je crois pas que ça pose problème. C'est plus sur les côtés. Donc voilà. C'est bon. Et donc là, bon ben, je mettais de ça. Donc là, comme je me suis trompée, je ne peux pas faire partout. Sur toute la surface, celui-là oui. Par contre, ici non. Il faut que je fasse ici. Voilà. Bon, après, c'est plutôt correct. Hein. Et on va fixer. Hein. Voilà. On fixe. J'ai mis un peu de colle. J'espère que ça va s'en aller. J'avais envie d'essayer, de tester et franchement je suis contente du rendu. Par contre j'ai oublié de gommer là. Je vais mettre un peu de colle. On a fini nos deux parties. On les a finies. Donc on a nos deux parties comme ceci. C'était le principal. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va coller par-dessus. Alors quand je vais coller, moi je vais dépasser un tout petit peu, je pense, de devant. Vous pouvez faire soit complètement comme ceci, c'est-à-dire que ça correspond là, soit moi je vais avancer juste un tout petit peu, pas grand-chose. Et puis là, je vais refermer
Et puis, je vais laisser sécher. Peut-être que vous avez deviné c'est quoi. Vous avez peut-être deviné, peut-être. Donc là, je vais laisser sécher. Et puis, on va décorer ensemble. On va faire les finitions et la décoration. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et on se retrouvera pour la partie 2, finition et décoration. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous.